Et bonjour à tous et à toutes, ici on va se retrouver sur Toulourilms. Et on va faire donc la troisième partie du chapitre E. Alors c'est parti. Bon. Chapitre E, le troisième. The fish monster, whatever it was, escapes through the window and dives into the seething ocean. You hurry back down to your men, but something has happened to them. You see the same dead-eyed stare you saw in the dock workers, and hear the same humming in the background. Suddenly, the door at the end of the room bursts open, and four figures rush in. You are happy to see them, if for nothing else than the fact that they don't appear to be fish monsters, mindless automatons, or covered in bits of brain. They rush past your men and hustle you into the street. As they cram you into a tiny automobile, they explain that they are students at the nearby Miskatonic University. You're not sure about any of this. The three men introduce themselves as the Garraway triplets, Michael, Daniel, and Ben. The young lady is Hope Garraway, their older sister, now a nurse at Miskatonic Hospital. They were sent by their professor to get you from Blessington's warehouse. Evidently, somebody knew of your arrival. You have questions, but there are strange winged creatures lying alongside the car that seem to want a word with you. Voilà. On a tout compris, bien sûr, donc on va y aller. Donc on commence sur le deck avec la même chose, hein. Au sol frais jaune cette fois le deck, vu que là chez Prot lui. Ouais c'est bon. Allez. Merde. Oh, je vais pas le sacrifier pour ça. Faut pas te déconner. Par contre, je peux faire ça pour prendre le bâtiment. Donc là on va se faire plaisir, on va prendre le bâtiment déjà. Il va se prendre quand même un petit île. Je suis pas assez pour attaquer. Alors on va commencer avec ça. On va utiliser son effet. On va plutôt virer le follower. Hop. Je peux monter à 6. Je vais faire plutôt du vert et... Pardon, j'avais commencé mauve. Ça donne encore un heal supplémentaire. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie aussi. Je pourrais gagner 2, mais c'est pas suffisant. Et là, je peux discarder, donc ça m'intéresse pas non plus pour le moment. Commencer par ça.
on va virer le goon. Et un follower. Et ensuite on peut se faire plaisir niveau pognon. Donc on va prendre ça. Ce truc là va m'ennuyer. J'aurais pas assez pour tuer l'eau de toute manière, ni assez pour acheter quelque chose. Donc on va finir le tour ici. On va commencer avec ça. On va virer et le goon et un follower. Hop. J'ai 5 de dégâts automatiques grâce au combo de ces deux cartes là. On va prendre ça. On va faire ça pour virer. Tant pis le goon. Et on va jouer le reste. Donc ça, ça m'intéresse pour détruire ses terrebles, qu'il en a pas mal. Ça, je vais gagner 2. Carte qui est en dessous, allez. Non, on va gagner de l'attaque. Je vais prendre le deuxième comme ça. On va dégager ça. Et on va commencer à taper dedans. Astopita qui revient à chaque fois. Oh, il me flague mes cartes, c'est exagéré. On va gagner 2 pour prendre celle-là. Je suis obligé de virer ça. Ah, j'ai pas assez pour virer l'hôpital, mais je peux lui faire comme des dégâts. L'hôpital, ça fait vraiment mal cette saloperie. Oh non. Oh, ça tu vas kiffer, mais d'une force. Ça. Ça. On détruit un bâtiment. Un hôpital. Avec l'autre, on flègue l'autre bâtiment. Celui-là. Ensuite, on va prendre ça. On va utiliser son effet. Pour virer. Hop. Ça fera 5. Goon. Ensuite, on va jouer le reste. Avec ça, vu qu'on a 5, on va acheter, vu qu'on est en jaune. Ça. Et ensuite, on va taper un peu tout ça. Donc. Tout ça pour lui faire 2 dégâts quoi. Bon, celui-là je peux le faire to play. Voilà, ça fait 21, tranquille, posé, au calme. Et là je peux gagner 2.
remonter à 4. Et on va prendre ceci. Le réactivateur va se faire plaisir, hein. On va virer l'Arkham. Oh, l'hôpital qui revient, c'est sérieux quoi. Jouer cet hôpital, c'est d'une force. On va commencer avec ça. On va y virer les deux followers. On va jouer ça. Ok, on vire le follower. On joue le reste. Je peux monter à 7 pour lui. Avec les 14, on va déjà virer l'hôpital. On va virer ça. Ça. Allez. C'est par virer le gone et le flower. Ensuite, on peut tout mettre après. Je peux faire 3 pour prendre celui-ci. J'ai rien acheté pour deux, si je peux acheter lui. Et ensuite on va taper tout ça. Donc Arkham, c'est quoi le tape là qui est derrière? Qu'est-ce qui m'ennuie le plus là dedans? Ça, mis un dégât, hein. Petit à petit, mais ça avance. Il est en train de flaguer mes cartes. Alors, ah, je peux tout jouer comme ça. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Ça. Ça a dû détruire un bâtiment. Hop. Le flex au deuxième bâtiment. Qu'est-ce que j'ai là en-dessous? C'est une carte, c'est pas magnifique ça. Hop. Avec ça, on va pouvoir acheter à peu près ce qu'on veut. Donc on va acheter ceci. Hop, et fini. Bon bah j'ai réussi à faire un défi sans faire exprès. Voilà, c'était un peu plus court que d'habitude, mais bon, la partie était un peu plus facile. Donc ici, j'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffé, et à plus tout le monde.